Salut coach. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, enfin une victoire. Vous savez, c'est comme une, c'est comme un buteur qui prend du temps à mettre un but. Et dès qu'il veut un but, il y en a plein qui viennent après. Là, je dois faire un bilan puisque je sais que nous avons un public qui attendait cette victoire. Et je suis très content pour le peuple congolais. Il mérite ça. On ne peut pas partir comme ça dans la course. Comme ça, c'est pas possible. Cette équipe méritait au moins une victoire déjà contre la Gambie et elle vient à ce moment maintenant. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Et je suis vraiment, vraiment soulagé que ces garçons ont eu, disons, avec tout ce qu'on a eu à soir comme critique peut-être, je dirais. Oui, comme critique. Et je pense que c'est mérité. Je pense que c'est mérité. Et ils ont fait une préparation très difficile avec des copains qui n'ont pas pu retrouver, alors qu'on aurait pu être encore plus offensif. Mais Dieu étant, ici on est invaincu dans cette série. Et si nous gagnons nos deux prochaines rencontres, nous sommes premiers avec 12 points. Vous vous rendez compte, de là on passe la nuit au jour. Donc le football est ainsi fait et Dieu lui réserve toujours des surprises aux gens. Et, Dieu ne m'a pas abandonné encore une fois. Et là, on peut dire que c'était un coaching payant. Oui, c'est-à-dire que c'est un coaching payant. Je ne peux pas. C'est une réflexion de groupe. Ce n'est pas une réflexion qui vient de moi tout seul. C'est une réflexion de groupe. J'ai des assistants qui sont performants dans l'analyse. J'ai des assistants, j'ai des adjoints qui sont très forts dans l'analyse et disons qu'on a pu prendre des décisions pour changer disons le cours de la rencontre. Voilà, c'était un joueur qui sur le flanc n'avait pas donné grand chose voilà, il s'est repositionné, il a eu la force mentale et l'énergie et l'inspiration pour nous sauver. Et là, son but vaut de l'or. Voilà. Je vous laisse, coach. Je comprends. Merci beaucoup. Ok. Félicitations. Je me demande encore comment est-ce qu'ils sont avec un point. Point de vue défensif, ils ont été vraiment. Je pense quand même que, au vu des deux matchs, bon, je suis très content. Depuis deux jours, je reste très content. Vous êtes confiant pour la qualification pour le 4. Mais Tobin, je dois vous signaler qu'on est la seule équipe qui n'a pas encore été battue.
et en jouant nos deux prochains matchs, en prenant 4 points, on nous passe. Nous croyons que nos prochains jours, c'est gagner nos deux jours, c'est vraiment de qualifier. Et je pense qu'on va encore trouver de l'énergie nécessaire pour montrer qu'on voulait absolument avoir cette victoire. Angola tem uma grande equipa, tem um ponto defensivo muito forte. Mais on a quand même eu des guerriers sur les terrains. On a montré que malgré tout ça, on a fait de très très bonnes choses aujourd'hui. Et on doit garder ça. Et on doit arriver face au prochain match avec ce même état d'esprit. Avec ce même état d'esprit, les gars, on va aller à la CAN très très facilement. Avec cet état d'esprit, on va y aller. Et on va même aller plus loin que la CAN. Vous voyez de quoi je veux parler. Les gars, bravo. Moi, je voulais remercier aussi le président de son implication pour cette cessage. Elle était permanente. Je l'ai eu tous les jours. Le moindre détail, il était présent. Et je dois souligner aussi que c'était, pour moi, un encouragement énorme de l'avoir arrêté. En aucun moment, elle sentit une pression. Elle m'a juste dit, décontracte-toi, tout va aller. Je pense que je voudrais tout simplement d'adresser vraiment moi personnellement et vous tous pas les applaudissements parce que franchement j'ai apprécié beaucoup 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 son soutien pendant tout ce stage et merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Les gars, comme on l'avait dit, on peut être fier de la meilleure défense. En plus de ça, on est une équipe invaincue et comme le président le dit, les 4 points, on est 6 points. De nous soit d'être premier, on soit qualifié. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les assistants qui ont été superbes sur le banc en relayant, en trouvant des solutions. Parce que pour les interviews, c'est parfait. Mais je souligne aussi ce que j'ai expliqué à mon ami ici, Géry, que les assistants ont été super, vraiment super. Parce que vraiment, c'était très collectif sur le banc. Très collectif. Il faut qu'on continue comme ça. Merci. Pour ce que tu as eu à dire, parce que franchement, ça me touche aussi. On a eu à changer beaucoup. Et en tout cas, c'est comme un buteur qui met du temps à faire des buts. Et quand il met des buts, qu'est-ce qu'il fait? Il explose. Ce que vous allez faire. Avec la dernière des buts. Merci. Merci. Ok. Un contre un, voilà, donc vous pouvez pas.
Je moins que ça l'a interview dans le téléphone et caméra est à un aéroport. Caméra est à un aéroport. C'est mieux que ça là toi. On doit pas les vendre ici na bas. Impact les années. Ah ouais. C'est un chancel.